En quittant le Nivernais, en direction du sud, le paysage change. Apparaissent les bocages du Brionnais. Cette petite région rurale, aux confins de la Bourgogne, entre le Charolais et le Bourbonnais, est une terre de hameaux isolés. Ici, pas d'autoroute, pas de train à grande vitesse. Il y a une quinzaine d'années, une jeune femme s'est installée sur les bords de la Loire, à Melay. Elle a mis en pratique une idée originale pour dynamiser les villages de ce territoire. Céline Crolla propose des randonnées à dos d'âne sur les chemins du Brionnais. Allez, allez, allez. Ce qui est sympa, c'est la relation qu'on a avec eux, quoi. Ils se disent, bah voilà, quoi, elle est là, ils viennent me dire bonjour, hein. Alors j'en profite pour les compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon, j'ai mon taf. Salut, ça c'est Émile. Émile, il vient toujours dire bonjour. Il veut pas qu'on s'occupe des autres. Chut, douce. Tiens, Olive. On va remettre ça comme il faut. Ça, c'est pour les mouches. Ça fait comme les rideaux qu'on met aux portes. Ça empêche les mouches de venir devant les yeux. Mais des fois, ça glisse. Alors, il faut leur remettre. Voilà. Allez, allez, allez. Les ânes, ils aiment le contact à la base, ils aiment les gens, ils aiment être avec les gens, ils aiment être caressés. Après, il y a des ânes qui vont aller mieux pour ce qu'on leur demande de faire, parce que c'est vraiment des professionnels, nos ânes. Ils sont ânes de randonnée, c'est leur boulot. Après, je ne suis pas chef d'entreprise avec des employés ânes, ça, c'est pas ça, mais c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est ma team, quoi. La jeune femme a changé de vie pour se lancer. Avant, j'étais technico-commerciale, donc j'étais tout le temps sur la route et je vendais des produits chimiques. Donc, c'était pas ça, quoi. Et j'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite et je crois qu'en fait, j'ai un peu réalisé mon rêve d'enfant qui était d'avoir ma petite ferme avec mes petits lapins, mes petites poules et mes petits ânes, voilà. Et bon, inconsciemment, je suis revenue à ça, quoi. Et je regrette pas. Ce matin, Céline accueille une famille venue de Reims qui va partir à la découverte de la région. Pour les accompagner, elle a choisi une de ses ânesses les plus calmes, Odyssée. Les Vinaux ont opté pour une escapade de 3 jours. Vous avez un petit peu l'habitude des chevaux ou pas du tout? Un petit peu, oui. Un petit peu? Bon, bah, vous savez mettre un licol, quoi. Oui. Donc on prend les deux morceaux qui sont détachés et puis on va attacher sur le côté. Alors on sort, mais quand même pas trop. Hein. Faut pas que ça soit trop serré non plus. Alors, tous les soirs, vous lui enlevez le licol, d'accord? Parce que ça a bien la protection. Les instructions de Céline sont précises, car ils vont voyager seuls pendant toute la randonnée. Ça vous impressionne d'être responsable d'un âne ou ça va aller? Oh, ça va aller. Ça va. Ça va aller? Oui, oui, oui. Non, mais j'ai mon mari. Hein. Ça va aller chez mon mari. Allez, hop là, c'est bien ma puce. Allez, alors tu te rappelles, qu'est-ce qu'on a dit? Pour cette formule, tout compris, elle a élaboré un circuit sur mesure, de village en village, avec hébergement à la ferme, pension complète et visite culturelle. Donc, chaque jour, vous avez la carte de votre circuit. Alors, vous avez les petits points, 1, 2, 3. Quand on est en 3, on tourne. 3, 4, arrivé. Avec les raccourcis possibles. Donc, chaque jour, pour chaque randonnée, ça sera la même chose. Vous, ça vous impressionne pas? Vous dites pas que vous allez vous perdre? Non, je pense pas. Non. Pourquoi? Sinon, on appellera. Voilà. D'ailleurs, bonne transition. Céline a mis en place tout un réseau d'habitants et d'agriculteurs pour accueillir ou aider les voyageurs. Donc les gens avec qui je travaille, on travaille ensemble depuis des années, ils savent très bien par où vous arrivez. Et s'il y a un souci, si vous êtes plus près de chez eux que de chez moi, eh ben vous appelez et en général, ils savent vous retrouver aussi. Allez, vas-y. Tiens-la bien. Tu la regardes pas. Elle va te suivre de toute façon. Surtout, ne la regarde pas.
elle fait son boulot, elle te suit. Alors, c'est normal, dans les descentes, elle va doucement parce qu'elle fait attention de ne pas glisser. Alors, vas-y, descends. Elle va... Vas-y, voilà, descends. De toute façon, elle va attendre que tu sois plus devant elle pour descendre. Voilà, c'est très bien, Odyssée. Tout le monde, est... on est tout bon, là? Allez, en route. C'est parti. Dans quelques minutes, la jeune femme laissera les vinos seuls sur les chemins. Je les suis au début, c'est surtout pour rassurer les gens, parce que c'est vrai qu'ils ne connaissent pas, hein, ils n'ont jamais fait. Et donc, en général, c'est juste pour donner des petites techniques qui fassent que ça se passe bien, quoi. Et puis, c'est normal, hein, les 500 premiers mètres, chacun va chercher un petit peu son rythme, comment, de quelle manière se positionner. Voilà, donc moi, je donne les petits conseils, quoi. Et donc, en sachant que tout le monde est bien à l'aise et que chacun a pris ses bonnes positions, eh ben, on peut laisser aller, quoi. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vous dis au revoir. Je vous dis à dans 3 jours. Allez, bye, au revoir. Pour la famille, c'est le début de l'aventure. Afin d'élargir son réseau, Céline, elle, part régulièrement en repérage avec son âne préférée. La jeune femme est à la recherche de nouveaux circuits et de nouveaux hébergements à la ferme. Ça peut arriver qu'on ait des gens qui reviennent plusieurs années de suite. Donc c'est sympa de pouvoir leur proposer des choses différentes tous les ans, quoi. Éviter qu'ils passent toujours par les mêmes chemins. Donc voilà, ça fait partie du travail. C'est pas ce qu'il y a de plus désagréable, mais voilà. Moi, j'ai découvert la région il y a 16 ans. Je connaissais pas du tout et j'étais vraiment subjuguée par le fait qu'il y ait autant de chemins de si bonne qualité. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire découvrir la région, parce que c'est un petit jardin secret et qui vraiment vaut le détour, quoi. On a vraiment envie de le faire découvrir. Sur la route des crêtes, Céline tient à nous montrer le panorama qu'elle préfère. Il y a une spécificité, les villages du Brionnais, ils sont tout petits, quoi. Parce qu'en fait, c'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Donc, on s'installe où on veut. On n'est pas obligé de se réunir autour de la source. Ce qui fait que les fermes se sont vraiment construites un petit peu partout. C'est vrai que c'est un paysage très paisible, très, très doux, avec toutes ces lignes qui sont formées par les haies. Et ça, c'est quelque chose de rare, parce que souvent, on a arraché les haies pour agrandir les prairies, pour mettre du barbelé à la place. C'est un paysage qui nous ressemble, parce que c'est un paysage qui a vraiment été sculpté. C'est vraiment une œuvre d'art quelque part, quoi. Elle se dirige maintenant vers un gîte à la ferme, tout au sud de la région. Aujourd'hui, je vais randonner sur un territoire que je ne connais pas du tout, là, pour le coup. Je vais dépasser ma frontière habituelle, puisque je vais tenter d'aller chez Monsieur et Madame Desmures. Et donc, je vais tenter le coup. Pour moi, il y a encore des choses qui ne collent pas. Il y a beaucoup de routes à un moment. Donc, l'avantage de travailler avec les hébergements, c'est qu'eux, ils connaissent leur secteur et elle va pouvoir m'expliquer s'il y a des endroits plus sympas où passer. Après une demi-heure de route, Céline arrive au village de Varennes-Soudain, dans une ferme d'élevage de charolaises. Bonjour. Comment allez-vous, Céline? Enchantée, Michel. Michel Desmures, la propriétaire, est enthousiaste à l'idée de faire partie du réseau de Céline. Premier critère pour valider le site. Ah, il y a un tout petit passage là. D'accord. Il faut vérifier la qualité du pré. Ah, c'est un peu étroit. Pour les ânes. Ouais. Allez. Ah, ça. Là, il aime pas trop quand c'est étroit, mais là, bien. Avec l'eau, dis donc. Pas mal. Et regarde, comme tu vas être bien là. C'est important la qualité de l'hébergement pour les clients, mais pour mes ânes aussi.
Et là, là, on a tout ce qu'il faut. On a de l'eau, on a des arbres pour l'ombre, on a de la belle herbe verte. Donc, non, puis de l'espace, quoi, c'est grand, hein, c'est grand. Hein. Hop. Tout à l'heure. Michel a été l'une des premières en Bourgogne à aménager un bâtiment pour y créer un gîte dans les années 90. Donc là, c'est une ferme typique du Brionnais avec les murs en pierre, le plafond à la française et puis à l'intérieur. Donc c'est les petites pierres du coin qu'ils allaient chercher avec des bœufs. Donc ils se fournissaient au plus près. Cette ferme appartient à la même famille depuis le XVIe siècle. Du coup, quand on a réparé, on a eu des surprises parce qu'on a un genre de meurtrière, ouais, ou de choses pour donner le foin. On ne sait pas ce que c'est. Quand on dit il y a 10 générations, c'est chouette, quoi. Enfin, voilà, c'est déjà une promesse, quoi, un peu. Hein. Les gens, ils attendent d'arriver dans un endroit qui a une histoire. C'est vrai que si on en voit dans une maison neuve, c'est beaucoup moins sympa, quoi. Je vais te montrer les chambres à l'étage. Ah ouais, c'est... Donc on a des vieilles briques. C'est grand sur toi. L'espace, avec ses 15 couchages, convient parfaitement à la clientèle de Céline. Ouais. Voilà. Donc là, ils sont super grands sur toi. C'est chouette. C'est très spacieux. À 40%, la réussite de la randonnée, elle va être basée sur la qualité de l'hébergement et de l'accueil, quoi. Et c'est pour ça que nous, on fait très attention à ça. Les gens reviennent pour l'âne, mais aussi pour les hébergements. Allez, on est parti, allez, on y va. Allez, en route, mon lit. La troisième étape du repérage est la plus importante. La visualisation du parcours que vont emprunter les randonneurs pour arriver à la ferme. Okay. Là, il y a des belles balades. Ah ouais, je connais pas du tout là. Saint-Raco, je connais pas du tout. Ouais, donc du coup, on arrive chez vous direct par les chemins, quoi. Ça, c'est chouette. Par contre. Oui. Ça, c'est top. Hein. Il y a un beau noyer là. Ouais. Et c'est pas mieux encore. Ah ouais. Alors là, tu vois, c'est le plus haut mont du Rhône. C'est le mont Saint-Rigaud. C'est à 1000 mètres. Ah, c'est excellent, parce que moi, je connais pas du tout ce qu'on là. Je savais pas, ça, tu vois. Ça, c'est des paysages qui peuvent plaire aux randonneurs? Oh, carrément, ouais, c'est super beau. Mais c'est vrai que l'intérêt de venir jusqu'ici, au final, par rapport à ce que je propose actuellement, c'est qu'on change vraiment on change de territoire, quoi. Même moi, là, j'ai vraiment un paysage, j'ai pas l'habitude, quoi. Donc c'est intéressant, ouais, justement, de varier un petit peu, quoi. Puis ouais. Olivier, il a l'air d'aimer aussi. Il y a plein de trucs à manger, il est content. Ouais, c'est vraiment joli, le petit fond de vallon. Alors là, on change de forêt. Ouais. On arrive dans une forêt de douglas. Ouais. Ouais, c'est agréable. Et on sent bien le frais. Ouais. Il y a quelques rochers. Ouais. Et ça s'appelle les roches faillettes. C'est les roches des fées. D'accord. Alors là, on a un petit panorama qui est sympa. À la sortie de la forêt, le chemin s'ouvre sur un paysage remarquable. Donc au premier plan, on voit l'église Varennes Soudain. Ouais. Et derrière, c'est la Clète. On aperçoit le château. Ouais, les toits qui brillent. Et puis là, tout au fond, c'est les monts du Rouennais, le mont de la Madeleine. Ouais, c'est chouette, hein, sympa. Là, c'est magnifique. C'est important qu'elle vienne voir sur place parce que nous, on peut lui indiquer dans notre pays ce qu'il y a de mieux, ou les belles vues, ou les petites choses à voir. Donc c'est bien. J'aimerais bien être sélectionnée dans ton parcours. Et puis c'est intéressant. C'est autre chose, une autre clientèle. Et c'est bien, parce qu'on a une belle région. Donc il faut qu'on la partage. Moi, je fais passer 2-3 familles par jour en été. Mais si on développe d'autres réseaux, eh ben, c'est plus 2-3 familles. Mais si c'est 10 familles par jour, bah, c'est bingo. Ils sont tellement isolés, hein, dans ces petits villages. Donc c'est pour ça que le tourisme, il est important pour ces endroits qui n'arrivent pas à survivre parce qu'il n'y a pas assez de passages au final. Donc je pense que le tourisme peut être un vrai levier économique, mais il faut aller plus loin que ça. Pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres plus au nord, la famille Vinault termine sa première journée de randonnée. À Saint-Julien de Jonzy, ils sont attendus à la ferme du Coq à l'âne, l'un des premiers gîtes à avoir été sélectionné par Céline.
Noah, enchantée, salut. Entrez, c'est par là. Cette ancienne chèvrerie va être reprise dans quelques mois par Noah Lagoutte. C'est la première fois que cette jeune Lyonnaise reçoit seule des clients. Elle se forme avant de racheter le lieu. C'est sécher les tapis au soleil. Ancienne musicienne, Noah va bientôt s'installer ici avec sa famille. Ce lieu, c'est une maison qui est magnifique, c'est un gîte qui est en état de marche et super beau, mais c'est surtout le lieu que je cherchais depuis des années. Voilà. Tout bon. Pendant ce moment de détente bien mérité, la fille du couple de randonneurs en profite pour soigner la messe. Elle appelle... Elle n'avait pas envie que je l'aide. Donc je la laisse faire. Puis là, c'est vrai qu'on resterait là un petit moment quand même, à rien faire, juste à regarder le paysage. Je pense que dans quelques minutes, là, ça va être encore plus beau. Avec la lumière rasante, là, ça va être superbe. Pour le dîner, Noah ne va servir que des produits de la région. Là, c'est des pommes de terre avec du saucisson fermier de la côte rouennaise. Elle se plie à une tradition de la maison, la salade aux fleurs comestibles du jardin. Ça, c'est de la bourrache. Et les soucis, par ici. C'est très joli. Pareil, c'est très, très délicat comme goût. Ça donne une jolie touche et puis c'est goûtu. Ça colore la salade verte. Avant de servir les clients, celle qui va bientôt passer la main à Noah fait un dernier contrôle. Hop. Voilà, bon alors la salade est prête, la salade de tomate est prête, les saucissons sont prêts, le fromage blanc c'est bon. Oui. C'est parti. Elle est comment là, votre élève? Ça va, ça va. Ça va? Elle assure là? Oui, oui, elle assure bien là. Ouais. La relève est prête là. C'est bon. C'est un lieu qui va continuer à vivre et en fait c'est ce qu'on voulait. Qui continue à vivre. Vous êtes prêts? Je peux vous servir le repas? Oui. Salade de fleurs. Oh, génial. Et les fleurs, il faut les manger? Ouais. C'est de la bourrache, de la bourrache et des soucis. C'est des calendula. Ah ouais, chouette. Et vous pouvez manger. Et là, c'est des œufs, des poules de là. Ouais. Allez, bon appétit. Moi, j'ai fait une tour, là. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de goût. Tu veux de la salade aussi, Marie? Demain, le circuit va faire découvrir au Vino l'un des trésors de l'architecture bourguignonne. C'est parti! Bonne journée! Allez, à la prochaine! Bonne balade, à bientôt! 8 heures du matin. La famille repart sur les chemins du Brionnais. Elle se dirige d'abord vers l'un des plus beaux villages de France, ce mur en Brionnais, édifié sur une colline à 400 mètres d'altitude. Son château du Xe siècle, le plus ancien de Bourgogne, abritait les seigneurs de ce mur, dont le plus célèbre, Hugues, fut le prieur de l'abbaye de Cluny. Le circuit fait passer les vinaux devant Saint-Hilaire, la dernière église romane construite dans le Brionnais au XIIe siècle. On a fait quand même déjà peut-être une vingtaine de kilomètres depuis que
depuis qu'on est parti hier. Et pour le moment, on voit des gens, quoi, mais c'est quand même plutôt calme. Il n'y a pas dehors de touristes. On est tout seul. Le Brionnais, c'est un peu comme un secret qu'on découvre. La famille est attendue en contrebas du village pour une découverte exceptionnelle. La chapelle de Saint-Martin-la-Vallée, construite à l'emplacement d'origine de ce mur en Brionnais. Laissée pendant des siècles à l'abandon, elle a été entièrement restaurée et rouverte en 2014. Son clocher latéral, une rareté dans l'art roman, a retrouvé sa splendeur. L'attacher là-bas. Les Vinaux ont rendez-vous avec un autre partenaire du circuit des ânes. Un historien des religions, né ici, qui a consacré toute sa vie aux églises du Brionnais. On va rentrer à l'intérieur, vous allez voir, il fait frais, vous allez être très bien. Ah, super. L'intérieur du monument révèle un chef-d'œuvre. Des peintures murales découvertes en 1999. Réalisées au XIIe et XIIIe siècle et à la Renaissance, elles ont été remises en état grâce à un groupement de villageois. D'abord, il faut savoir que c'est la plus ancienne église des églises romanes du Brionnais. Les églises romanes dans le Brionnais, il y en a plein. Ça a poussé au XIe et XIIe siècle littéralement comme des champignons. Et malgré des pertes au fil des siècles, on en a encore plus de 30 dans un tout petit territoire. Mais retenez bien que celle-ci, c'est la plus ancienne. La plupart des gens, des Français, vous, moi, il y a quelque temps, on s'imaginait que les églises romanes, c'était des églises en pierre apparente. Et la pierre apparente, c'est du pur roman. C'est faux et archi-faux. Elles étaient toutes couvertes de peinture. Quand on essaye de lire une église romane, il faut également tourner les pages comme dans un livre. Et quand on tourne les pages, c'est-à-dire quand on va décaper les différentes couches de peinture, on va aller de la plus récente, ici, dominante rouge et blanc, et ensuite on va trouver une couche qui vient derrière, et celle-là, elle est du 14e, fin 14e ou début 15e siècle. J'aime beaucoup les randonneurs avec ânes parce que ce sont des gens qui pratiquent un tourisme doux et lent. On ne peut rien découvrir de l'art roman si on n'y va pas doucement, qu'on ne prenne pas le temps de s'imprégner des choses et d'écouter quelques petites histoires. Et moi, je trouve que ce type de randonnée, même si pour le moment ils ne sont pas très nombreux, ça apporte quelque chose de neuf et d'extraordinairement vivant. Avec son association, le Centre d'études du patrimoine, Pierre Duris se bat pour rouvrir au public les églises qui font la singularité des villages du Brionnais. Comme Saint-Marcel, à Iguérande, qui domine la Loire depuis un promontoire. Grâce à son action, ce vestige d'un prieuré bénédictin, détruit pendant la Révolution, est désormais visitable tous les jours de l'année. Depuis presque 30 ans, ce passionné fait appel à des étudiants en architecture du monde entier pour effectuer des relevés précis des monuments. Cette année, à Lézé, ce sont de jeunes Hongrois qui vont étudier l'église du hameau. Saint-Antoine reste un mystère avec son clocher édifié directement sur l'abside et légèrement décalé. Cette église est très particulière. Vous savez, en Hongrie, nous n'avons que très peu de vestiges du Moyen-Âge. Alors qu'ici, en Bourgogne, il y a des chapelles romanes dans presque tous les villages. C'est incroyable pour nous. Les futurs architectes vont mesurer à l'aide d'un laser tout l'intérieur du bâtiment. Ces relevés permettront d'obtenir pour la première fois la modélisation de l'église en trois dimensions.
notre travail contribue à une meilleure connaissance du patrimoine et donc à la dynamique culturelle ou sociale d'un village. Parce qu'il y a toute une population qui fait que cette église est ouverte, elle est bien entretenue, elle est propre, cette église est restaurée. Et derrière, il y a une société rurale qui a envie de vivre et de profiter d'opportunités et de faire que cette richesse se transmette de génération en génération. So now we will climb at the bell tower. Pour le clocher, l'exercice est plus délicat. Okay, so you come with me at the first level of the bell tower. Please go slowly. L'espace est trop exigu pour mesurer au laser. No problem for climbing. Il va falloir travailler à l'ancienne. Go to that level. So pay attention when the bell will be ringing. But especially pay attention when it will be 12 o'clock, because normally you will have a terrible noise, so protect your ears. And then the climbing is stopped. Arrivé à 18 mètres de hauteur dans le beffroi. Come with me. Take place. Elles vont mesurer, normalement, toutes les pièces de la charpente. Donc, avec le décamètre à la main. Les deux étudiantes se mettent à l'ouvrage. Cette aventure incroyable a commencé en 1990. Donc, ça fait 28 ans que nous mesurons des églises romanes. On a dépassé cette année le chiffre de 100. Ça représente 100 000 heures de travail. À 73 ans, Pierre Dury n'hésite pas à grimper lui-même dans la charpente pour prendre les mesures. I will give you to only to begin to give you some dimensions of the basis of the framework, okay? 143. Another one here from that point here. To that point, 98. Dans ma jeunesse, j'ai fait un peu d'alpinisme, donc je crains pas trop le vertige, voilà. Et puis, il faut vraiment accéder dans ces parties hautes de l'église, parce que si on le fait pas, le travail de relevés architecturaux, il est pas complet. Il y a un travail incomplet, à la limite, il faut presque tout recommencer à zéro. Pendant ce temps, en bas. Hey. Hello. Is everything okay with your work? Yes. Yes. Une autre équipe est en charge de la façade sud. Yes. Les élèves sont supervisés par une historienne de l'art. And the tower? Annelise Margot est membre du conseil scientifique de ce grand projet d'inventaire. On ne voit jamais de clochers construits sur les absides. Pour le moment, on ne trouve pas d'explication à ce choix. Ils ont rajouté une coupole pour qu'elle puisse supporter le poids de la tour. Il faut imaginer aussi que quand la cloche se met en mouvement, c'est périlleux pour la construction. C'est vraiment une énigme pour le moment, cette église. C'est passionnant. Et ce sera d'autant plus passionnant quand on aura les plans, les coupes, les relevés. Dans un mois, les futurs architectes livreront à l'association une projection complète de l'édifice. Le lendemain, c'est une première pour Annelise, l'historienne de l'art. Elle survole les villages du Brionnais pour le guide qu'elle est en train d'écrire sur l'art roman.
connais très bien Brionnais et j'ai vraiment l'impression de le redécouvrir pour la première fois. C'est un territoire qui est éloigné des grandes villes, des grands axes de communication et c'est sans doute ce qui a permis l'exceptionnelle conservation des églises romanes. On en dénombre quand même une cinquantaine sur seulement 800 km², ce qui est assez rare. Elle se dirige d'abord vers le joyau de cette succession de monuments à Anzy-le-Duc. Notre-Dame de l'Assomption, l'ancienne dépendance d'un prieuré, a été construite avec un calcaire de la région qui lui donne des reflets dorés. Elle est connue pour son clocher octogonal remarquable. On voit bien sûr, le clocher avec tous les jeux sur les arcs, des arcs qui se multiplient de tailles différentes, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui rendent la tour extraordinairement aérienne, qui allège la masse de pierre. Quelques kilomètres plus loin, l'église Saint-Pierre-aux-Liens domine une colline de l'Arconce. Édifiée dans un grès très dur, elle a traversé les siècles sans dommage. Si elle est si grande, cette église, c'est certainement parce qu'elle accueillait, en plus des paroissiens, une petite communauté de moines. Et il ne fallait pas que dans l'église, les deux communautés paroissiennes et les moines se mélangent. Donc il fallait vraiment deux espaces pour chaque groupe. Et c'est ce qui peut expliquer les dimensions. L'histoire politique, elle est vraiment décisive aussi ici pour expliquer le nombre d'églises romanes qui sont conservées. Parce qu'en fait, il y avait deux familles de seigneurs, deux grandes familles de seigneurs, les Semur et les Leblanc. Et pour eux, finalement, construire des églises, c'était en même temps faire un acte de foi et puis dans le même temps faire un acte politique pour marquer leur emprise sur le territoire. Et puis, il faut bien imaginer que les artisans se déplacent, mais aussi que les seigneurs et les religieux qui commanditent les églises voyagent. Et donc, ils vont être ouverts, ils vont ouvrir le Brionnais à toutes ces influences venues des régions voisines, comme l'Auvergne, le Nivernais ou la Dombes dans l'Ain. Mais alors justement, on peut se demander pourquoi l'architecture gothique ne se soit pas vraiment épanouie en Brionnais. Peut-être parce que cette fièvre de bâtir qu'il y avait eu à l'époque romane, elle s'est éteinte en même temps que les deux familles de seigneurs. En bord de Loire, à Baugie, l'église Saint-Pons est l'une des premières à avoir été bâtie par ces seigneurs du Brionnais à la fin du XIe siècle. Elle est vraiment très, 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 très touchante et attachante, cette église, parce qu'elle est vraiment représentative des petites églises paroissiales telles qu'il devait y en avoir dans toutes les paroisses au Moyen-Âge, en Brionnais. Presque une église les pieds dans l'eau. Alors tu vois, son plan, il est très simple. Elle a une petite nef, une travée portant le clocher. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien imaginer que jusqu'au XVIIIe siècle, ce type d'église, c'était vraiment les églises que l'on avait partout. Et alors, au XIXe siècle, près de la moitié des églises romanes vont être détruites pour construire des églises plus grandes, tout simplement parce qu'il y a à ce moment-là une poussée démographique qui nécessite la construction d'édifices religieux plus vastes. Pour la fin du vol, Annelise veut admirer son site préféré. On va très très vite d'un site à l'autre finalement, par rapport à la voiture. C'est l'avantage de l'avion. Non mais du coup, on se rend compte aussi que tous ces villages, ces paroisses et ces seigneuries fonctionnaient vraiment ensemble. Le
le petit avion atteint ce mur en brionnais. Alors, je suis très contente que tu m'amènes survoler cet endroit parce que je suis vraiment très attachée à ce mur parce que c'est là que j'ai commencé mes études. Enfin, c'est la première église que j'ai étudiée. Et puis, par ailleurs, c'est quand même la forteresse phare du Brionnais puisqu'elle abritait la puissante famille seigneuriale des Semur. C'est vraiment une place forte naturelle, un éperon. Et la famille a ajouté finalement les remparts, deux remparts, hein, un qui ceint l'église et le château, et puis un autre plus large qui englobait aussi le bourg castral, donc les habitations venues se blottir, hein, au pied de la forteresse. C'est magnifique. Ce sont vraiment les deux richesses du Brionnais, hein, à la fois son architecture avec les châteaux, les églises, et puis le bocage. Et c'est sur ces deux éléments que repose aujourd'hui la candidature du Brionnais auprès de l'UNESCO, hein, pour la reconnaissance du caractère exceptionnel, justement, à la fois de ce patrimoine architectural et naturel. Au même moment, une camionnette sillonne les routes de la région. Pascal Clément est un chef cuisinier spécialisé dans la viande charolaise. Régulièrement, il se rend chez les éleveurs de cette race rustique, apparue au cœur de ce bocage au XVIIe siècle. Moi, je dis... La race charolaise, c'est la meilleure race à viande. Elle a du goût, elle a du gras, elle a de la saveur, elle a de la tendreté, elle a tout pour elle, quoi. Le charolais, c'est pas un steak haché qu'on trouve dans un fast-food. Le charolais, c'est un pot-au-feu, c'est un braisé, un bourguignon, c'est tout le temps tendre, le charolais. Pascal est né ici, en Brionnais, dans une famille de charcutiers. Mon père, il a parcouru toutes ces petites routes à faire du commerce. Tous les étés, j'étais avec eux dans le camion magasin. On allait livrer la viande dans les fermes du coin. On se baladait sans cesse dans ces villages, dans le cœur du Brionnais. Alors là, on va prendre la route buissonnière pour se rendre. Dans une ferme où j'ai envie d'acheter une bête. On va aller la choisir sur pied parce que c'est intéressant de parler avec un éleveur ou parfois de savoir un peu comment elle a vécu, si elle a mangé, à quoi elle ressemble. Le chef a rendez-vous près du village de Saint-Racco avec un jeune agriculteur, Thibaut Desmures, qui vient de convertir son élevage au bio. Salut Pascal. Ça va ? Ça va et toi ? Eh ben oui, bien. On va voir les vaches. On va voir les vaches. Bon, alors tu penses... tu me proposes quoi ? Quel... Donc là, j'ai trois génisses. Ouais. Il y en a une qui est un petit peu supérieure. D'accord. Je pense que c'est ce qu'il te faudrait. Bah écoute, moi je te fais confiance. Hein. Les bêtes de Thibaut sont nourries 8 mois par an à l'herbe fraîche. La viande prend alors un goût persillé, caractéristique de ce terroir. Le persillé de la viande, ça vient principalement de l'état d'engraissement, qui fait que dans l'entrecôte, on voit les petites veines de gras quand elle est crue. Et ça vient d'où ? Et ça vient et de l'herbe, quand on a une bonne prairie d'embouche, et des céréales. Et c'est très important à la cuisson, parce que ça, justement, ce gras, il fond. Et ça nous fait des jus qui sont sympas, quoi. Je veux dire, un petit coup de sel, un coup de poivre, et puis c'est tout, quoi. Avec l'entrecôte charolaise, il n'y a besoin de rien.
Moi, je préfère venir ici parce que ça permet de causer avec l'éleveur. C'est important de voir comment la bête est dans son pré, quoi. Comment la bête vit, est-ce qu'elle est détendue, qu'est-ce qu'elle mange, est-ce que c'est un environnement qui la stresse. Après, ça permet aussi de parler aux clients parce que de pouvoir leur dire voilà, cette bête, elle a vécu sous un arbre, sous un chêne, des acacias, un frêne, voilà quoi. On sent que le pré humide, elle a pu boire, elle a pu. C'est très simple, mais les gens adorent quoi. Pascal Clément reprend la route. Il a une dizaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre son restaurant dans l'un des plus beaux villages du Brionnais, La Clète. Ce grand bourg de 1400 habitants a été édifié au bord d'un étang. Le château du XIVe siècle, qui appartient à la même famille depuis plus de 400 ans, domine ce site naturel. Quatre tours pointues, érigées au XVIIIe et adossées à l'édifice médiéval, donnent sa singularité au monument. Pascal accueille aujourd'hui des amis. Il va leur préparer un menu dégustation 100% charolais. Il commence par des brochettes avec un morceau rare aux fibres longues et au goût prononcé, la hampe. Faut pas hésiter à goûter. Moi je pense voilà, on peut pas faire à manger sans goûter. Voilà. On se met jamais à table qu'en cuisine, on est rarement assis, mais par contre on a tout le temps quelque chose à manger ou à boire. C'est l'avantage de notre métier. Je vais faire des petits cubes pour faire un tartare couteau. Donc on met un peu de capre, on met un peu d'oignon, un peu de cornichon, de la persillade, un trait de cognac. Les petits cubes de rhum steak. Généralement, quand je fais du tartare, je salive. On va cuire nos petites brochettes. Un petit peu de sel. Du beurre et du sel. Voilà, juste saisi. Voilà, les deux petites brochettes. Un carpaccio. Et le tartare. Pascal sert d'abord Thibaut, son ami éleveur. Alors là, vous retrouvez donc le bœuf de Thibaut. Et là, on l'a travaillé donc en différentes façons, sur du carpaccio, sur du tartare et sur de la brochette pour la hampe. Voilà. Bon appétit à tous. On est bien à la campagne, on est bien au Charolais, non? La santé du Charolais.